Les étapes suivantes, dimensionnement détaillé et montage, ne sont pas abordées en détail dans cette vidéo. Rappelons néanmoins que le placement de certains composants par d'autres personnes nécessite une bonne coordination des différents corps de métier. Évidemment, nous, on ne va pas faire tout ce qui est menuiserie, donc c'est-à-dire les orifices de transfert au niveau des portes ou les orifices d'arrivée d'air dans les châssis pour un système simple flux, ce genre de choses, malheureusement, nous ne réalisons pas. Ce qui se passe aussi, si jamais on travaille avec une prise d'air ou un rejet d'air en toiture, nous, on fournira l'élément de toiture, mais on ne peut pas l'installer sur la toiture. Pourquoi ? Parce que malheureusement, on n'est pas assuré pour ce genre de choses. Veiller à la propreté du système de ventilation pendant le chantier est également l'affaire de tous. Pour éviter l'encrassement, nous, ce qu'on fait sur nos installations, nous bouchonnons toutes les tuyauteries en attente. Bon, ce qui est important aussi, c'est qu'il faut que les différents corps de métier qui vont défiler sur ce chantier sachent ce qu'est une installation de ventilation et se rendent compte que si nous, on a bouchonné, c'est pas juste pour décorer, c'est qu'il y a une raison, je vais dire.